Le trafic de drogue mène à une tension palpable dans un si grand soleil. Christophe a effectué une opération sur Patrice, mais a fait volontairement une erreur, le poussant vers la mort. Dans les prochains épisodes, diffusés dans le courant du mois de septembre 2022 sur l'antenne de France 2, son stress monte d'un cran. Margot agresse Christophe dans un si grand soleil. Christophe, Hubert Benhamdine, est très angoissé après son acte illégal et cela se ressent dans son comportement et dans son couple. En effet, il congédie Cécile, Marie-Gaëlle Cal, à plusieurs reprises. Cela se répercute sur sa sœur. Margot, Clara Bott, voit bien que la juge est mal vis-à-vis de l'attitude de son compagnon. Elle appelle donc le soignant animalier et le menace de tout dire, s'il n'arrête pas son petit jeu. Mais il botte en touche. Cependant, face à la trop grande pression mise par Eva, il avoue tout. Plus tard, Cécile est surprise de connaître toute la vérité à propos de Christophe. Il fait une révélation choc en présentant alors son fils caché Achille. Le vétérinaire est heureux de voir que les deux personnes les plus proches de lui s'apprécient et sympathisent. Mais cette alliance va-t-elle permettre de sauver Christophe des griffes de la justice? Kira enterre la hache de guerre sur France 2 pendant ce temps, Claire, Mélanie Maudran, voit Kira très angoissée par le couple de Lily et Louis, Sylvain Bocara. L'infirmière propose alors de dîner pour qu'elle puisse se changer les idées. Elle accepte, mais s'aperçoit que Thaïs, Lila Guéraud, est la serveuse. L'adolescente se met à la provoquer. Claire est choquée par le scandale de sa fille adoptive et la recadre en lui affirmant que son comportement n'est pas sympa vis-à-vis de la lycéenne. Kira, Colin Ramos Pinto, retrouve donc Thaïs en dehors de la pizzeria. La camarade de Louis reconnaît avoir voulu l'embêter. Thaïs révèle alors les raisons qui la poussent à travailler au sein du restaurant. La sœur d'Enzo, Teilo Azaïs, présente ses excuses. Thaïs accepte et propose une trêve entre les deux adolescentes. Quelques jours plus tard, les jeunes femmes partagent un moment sur la plage après que Kira ait vu l'enfant de Marc, César Méric, embrasser une amie. La suite des aventures des habitants de Montpellier est à retrouver dans les prochains épisodes d'Un si grand soleil, diffusé du lundi au vendredi, aux alentours de 20h45, sur l'antenne de France 2.